est responsable de ça. Il a tué c'est un assassin. Il se croit plus fort que nous. Il pense être de taille à nous affronter. Fais attention, le moine. Jésus, laissez-moi partir. Tu vas blesser quelqu'un, je suis sûr. Maudit voleur. Non, je te ferai mieux trancher la main. Je ne comprends pas du tout ce qu'il essaie de faire. Bonjour, mon frère. Qu'en est-il de tes recherches? Je sais tout ce que je dois savoir sur l'homme à supprimer. Très bien, alors je t'écoute. On raconte que Sibrand a cédé à la panique. L'idée de savoir que sa mort est proche le rend fou. Il a condamné le quartier du port, et maintenant il s'y terre en attendant l'arrivée de son navire. Voilà qui va te compliquer la tâche. Comment peut-il avoir eu vent de ta mission? Les hommes que j'ai tués, ils se connaissaient tous. Al-Mualim m'avait prévenu qu'ils étaient informés de mes exploits. Tiens-toi sur tes gardes, Al-Payr. Bien sûr, Rafik. Vois-tu ce qui est à mon avantage? C'est que la peur l'affaiblit. Avance rapide vers une séquence plus récente. Quelle insouciance, c'est incroyable. Ah! Il va blesser quelqu'un, je suis sûr. Vous méprenez, Maître Sibrand. Je ne risque pas de prôner la violence contre qui que ce soit. Et certainement pas vous. Que vous dites? Et pourtant, personne ici ne répond de vous. Alors, que dois-je en penser? Je mène une vie simple, Monseigneur. Comme tous les hommes d'Église. Je ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Peut-être. Ou peut-être n'êtes-vous pas connu car vous n'êtes pas un homme de Dieu, mais un assassin! C'est faux. Vous portez la même tenue. Les assassins s'habillent comme nous, pour semer le doute et la peur. Ne vous y laissez pas prendre. Vous insinuez que je suis naïf? Vous défiez mon autorité? Peut-être même, espérez-vous retourner mes chevaliers contre moi? Non, je ne comprends pas votre attitude envers moi. Je n'ai rien fait de mal. Étrange, cette manière de réagir, alors que je ne me rappelle pas vous avoir accusé de quoi que ce soit. Ressentiriez-vous le besoin de vous confesser? Confesser, mais quoi donc? Ah, vous m'aurez provoqué jusqu'au bout. Que voulez-vous dire? Guillaume et Garnier étaient trop confiants. Et ils ont payé cette confiance de leur vie. Je ne ferai pas la même erreur. Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, alors le Créateur ne vous laissera pas en reste. Voyons s'il retient mon bras. Vous êtes devenu fou. Personne n'a donc l'intention d'intervenir. Ne voyez-vous pas que cet homme est aveuglé par la peur? Il voit des ennemis là où il n'y en a pas. Apparemment, le peuple partage mes soupçons. Ce que je fais, je le fais pour le bien d'Acre! Restez vigilants, soldats! Signalez toutes les activités suspectes à la garde!
Je suis sûr qu'il reste encore des assassins. Ils sont la vie dure. Le spectacle est terminé! Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Ich weiß, du bist in der Stadt. Ich werde dich zur Strecke bringen. Wo sollt ihr Pümmel spielen? Moi, un vieillard. Les porteurs font tomber leurs jarres à cause de vous. Les gardes ont remarqué votre présence. Arrêtez-moi! Il va droit dans ta face! Attrapez-le! Non,
manque l'épée de... Je te tiens. Il ne doit pas s'échapper. Aurais-tu peur ? Évidemment que j'ai peur. Tu seras bientôt en sécurité, entre les mains de ton dieu. Mes frères ne t'ont rien appris. Je sais ce qui m'attend. Ce qui nous attend tous. Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce alors ? Rien. Il n'y a rien après. C'est bien cela qui m'effraie. Tu n'es donc pas croyant ? Mais comment pourrais-je l'être après ? Tout ce que j'ai vu. Notre trésor en est la preuve. La preuve de quoi ? Que nous n'avons qu'une vie. Prolonge-la quelques instants, en me disant quel était ton rôle. Établir un blocus par la mer, pour empêcher ces stupides rois et reines d'envoyer des renforts une fois... La Terre Sainte conquise ? Libérer, imbécile, de la tyrannie de la foi. Libérer ? Vous avez renversé des cités, asservi des hommes. Assassinez tous ceux qui sont contre vous. J'ai exécuté des ordres pour défendre une cause, tout comme toi. Seigneur, vous me donnez la mort. Dont j'ai besoin. Ce ne sera pas bien.
imbéciles. C'est ridicule. Il se croit plus fort que nous. Tu n'as même pas la cheville. C'est possible. Altaïr, toute la ville est en émoi. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai pris la vie de Cybrand. Oui, en effet, c'est ce qu'on dit. Tu devrais faire route vers Masyaf et en informer Al-Mualim. Oui, je devrais aller lui parler. De cela et d'autres choses. Est-ce que tout va bien, mon ami? Je te trouve distant. Ce n'est rien, Rafik. J'ai juste l'esprit occupé. Confie-toi à moi. Je peux t'aider. C'est à moi de remettre de l'ordre dans mes pensées. Mais merci quand même. Tous ces hommes que tu supprimes. Tu as mauvaise conscience. Comment ça? Ah, mon ami. Tu n'es pas censé prendre plaisir à tout cela. Le regret, le doute, la sympathie sont des sentiments naturels. Et ne devrais-je pas les craindre? Mais non, au contraire. Ils font ton humanité. Et si j'avais tort? Et si ces hommes ne devaient pas mourir? Qu'ils soient mal avisés, je le concède. Mais leurs intentions étaient peut-être louables. Je ne suis qu'un Rafik et ces questions qui te hantent me dépassent. Peut-être Al-Mualim t'aidera-t-il à y répondre. Oui, peut-être. Merci, Rafik. Servir aux côtés de quelqu'un d'aussi compétent est un plaisir. Avance rapide vers une séquence plus récente. J'ai beaucoup de peur en vie. Notre marge de manœuvre est très limitée. Où qu'il soit caché, il faut le récupérer. J'y travaille. Bien, et ensuite? On s'occupera de lui. Tenez-moi au courant, demain, dans la matinée. J'ai un travail urgent à terminer. Je vous donne quartier libre pour la soirée. Je crois qu'il y a un problème avec l'Animus. Non, tout est en ordre. Non, je suis sûr qu'il m'a éjecté au moment où... Et moi, je suis sûr que tu devrais la boucler. Est-ce que tu voudrais bien me dire ce qui se passe? On doit les arrêter, Desmond. Quand ils accéderont à ton dernier souvenir, et ils n'en sont plus très loin, ils essaieront de tout changer. Notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'être. Vidic t'a fait son petit sermon sur ce qui va mal dans le monde. Comme quoi nous avons besoin d'ordre et de discipline. C'est ça qu'il nous prépare, sans nous demander notre avis. Mais comment? Le trésor des Templiers. Il pense qu'il... Mademoiselle Stima, vous écoute. Chargez les souvenirs de Desmond dans la base de données. Je m'en occupe.
Et tout ce qu'ils attendent de moi, c'est que je retrouve le trésor des Templiers? L'Orbe d'Éden, comme ils l'appellent? Oui. Toutes les pistes convergent vers Masyaf. Je ne comprends pas pourquoi ils me font perdre mon temps. Ils n'ont qu'à envoyer une équipe pour le récupérer. Impossible. C'est plus compliqué que ça. Ils détenaient l'artefact de Masyaf. Jusqu'à ce qu'il soit détruit, lors d'un accident. Mais alors, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Ou de mon ancêtre? Ils espèrent qu'il leur indiquera la cachette des autres. Tu veux dire qu'il existe plusieurs trésors? Oh, tu n'as pas idée, Desmond. Un problème, Mademoiselle Stillman? Absolument aucun, Warren. Tout est Denver. Dans ce cas, où sont les fichiers? Si je ne transfère pas ces fichiers, il va finir par se méfier. On en reparlera plus tard. Une minute. Ça veut dire quoi, tout est Denver? Que tout se déroule comme prévu. Pourquoi Denver? C'est en référence à l'aéroport international de Denver et à son complexe souterrain. C'est là qu'a eu lieu l'accident. Tu n'es pas fatigué? Le temps presse, Monsieur Miles. Oui, oui, j'arrive. Tout sera bientôt terminé. Et après? Vous verrez. Qui sait, ils vous laisseront peut-être assister au spectacle. Ça n'a rien de terrible. Écoutez, je sais que vous n'allez pas me laisser partir. Alors accordez-moi une faveur et dites-moi ce qui se passe. Ne vous moquez pas de moi, Monsieur Miles.